Bonjour, j'espère que vous allez bien et je me réjouis de partager avec vous une méditation que je vais nommer Lâcher le stress. Tout ça parce qu'aujourd'hui, je me suis stressée pour rien, mais bien. Donc j'ai pensé que ça n'arrivait pas qu'à moi et que peut-être ça vous serait utile aussi. Installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous et plaçons nos mains en namasté l'une contre l'autre devant la poitrine. Prenons contact avec notre volume interne en essayant de voir quelle partie de notre corps nous est le plus sensible dans l'immédiat. Et d'abord, est-ce que nous sommes capables de retourner notre attention vers l'intérieur et de nous sentir à l'intérieur de la peau? Est-ce que nous sentons du chaud, du mouvement, de la détente, de la joie? Et dans quelle quantité? Est-ce que nous sentons l'espace de nos plis du corps? Est-ce que nous sentons l'arrière de notre corps? Est-ce que nous sentons les parties que nous aimons moins ou les parties proéminentes comme les seins, le bout du nez? Les seins si nous sommes des femmes. Et relions-nous à tout ce qui existe en même temps que nous. Tout ce qui a été avant. Tout ce qui sera après. Et enfin, avec les grands êtres qui peuvent nous conduire à leur sagesse, parce que plus on est réalisé, moins on a de stress. Imaginons les grands êtres, les huit immortels, par exemple, pour le Tao, et puis tous ceux qui nous plairont, si ça nous plaît, au-dessus de notre tête. Comme les fées au-dessus du berceau de la Belle au bois dormant, mais que les bonnes. Et tranquillement, relions-nous maintenant à l'étoile polaire. Et nous entrons dans un flux cosmique, dans le flux des grands êtres, nous entrons dans le flux de tous ceux qui nous correspondent et qui pratiquent, nous entrons dans un large flux. Beaucoup plus vaste que notre stress. Même si c'est un grand stress pour notre santé, pour la santé d'un proche, pour quoi que ce soit, quel que soit le domaine. Le simple fait de prendre conscience de toutes ces connaissances, de toutes ces relations, élargit le fleuve de notre conscience et par là même diminue le nuage de notre souci. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Très légèrement retourné, si on veut, comme les bébés. Et détendons absolument tout le corps, si on peut, autant qu'on peut, jusqu'à ce que notre regard intérieur descende jusque dans la terre et invitons le rayon de l'étoile à descendre aussi, jusqu'à ce que il aille rendre visite au centre ardent de la terre, notre mère, la terre. Et doucement, on va inviter l'énergie de la Terre à remonter dans nos jambes. Et même si on ne sent rien, c'est
Un mouvement que nous pouvons faire avec notre conscience depuis sous la terre jusqu'à l'intérieur des pieds, des jambes, des cuisses, et passer par le périnée et jusque dans le ventre. Et puis laissons descendre nos mains. Mettons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, posons-les à côté de nous ou quelque part sur notre corps. Et puis, rappelons-nous combien nous pesons. Même si c'est une raison de plus de stress, rappelons-nous combien nous pesons. Et maintenant, je vais vous révéler le poids de la Terre tel que je l'ai lu dans Docteur Barefoot. Donc la Terre pèse 6,6 et 20 zéros de plus derrière la virgule, derrière le 6 de la virgule, tonnes. Donc 6,6 et 20 zéros de tonnes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est donc très très lourd. Et nous pouvons nous rappeler ensuite combien nous pesons et combien ce poids a d'espace sur la Terre. Nous pouvons imaginer combien pèse un arbre qui peut peser des tonnes aussi. Un rocher. Et nous installer un instant dans cette proximité rassurante de ces gros poids par rapport à notre poids plume, quel qu'il soit, dès qu'on fait cette comparaison. Sentons-nous détendus dans cette remise à notre place pondérale. Et invitons notre souffle à participer à cette détente. Donc on va faire 9 respirations, d'abord juste 9 respirations comme ça pour sentir et faire attention à notre souffle. On fait attention à l'inspire pour les 9 premières, puis on fera attention à l'expire pour les 9 suivantes. Et on essaye de ne pas modifier. Tant pis si c'est irrégulier, tant pis si ça ne nous satisfait pas. On essaye juste de observer ça en nous installant sur un point quelque part, en dehors de nous, pour être sûr de ne pas intervenir. 1, 2, 3, 4. Cinq. Notre attention se place sous les pieds et sous le périnée. Six. Sept. Huit. Et neuf. On déplace notre focalisation d'attention, notre focus. 1. 2. 3. 4. Cinq, six, sept, huit,
et 9. Faisons une petite pause et si vous êtes encore là, c'est que probablement vous êtes plus calme que tout à l'heure. Observons, observons notre état. Est-ce que nous avons déstressé un petit peu? Et donc le stress, ça nous amène à une tension. Donc on va serrer nos mains, pas beaucoup, ne serait-ce qu'un tout petit peu. On va ne pas bien respirer, on va garder des tensions dans les muscles, tous les muscles et tous les tissus mous, donc dans les poumons par exemple. Et ça peut nous amener à avoir des maux de crâne, des tensions oculaires. Et donc, on va maintenant que nous avons prêté attention à notre souffle tel qu'il était, choisissons délibérément de ralentir l'expire, puisque en ralentissant l'expire, on s'oblige à lâcher. Et en s'obligeant à lâcher, si nous décidons de lâcher le stress, chaque nouvelle inspiration va nous permettre de recevoir la tranquillité et le sourire, la relaxation. Mais relaxation n'étant pas synonyme d'affaissement. Alors on va recompter 9 fois et on va faire une inspiration en 3 temps et une expiration en 7 temps. 1, 2. L'expiration s'étend sur 7 temps et nous veillons à mettre notre attention derrière le troisième œil. 2. Expirons. Sept ans, inspirons à nouveau et imaginons que notre troisième œil est aussi une narine, mais que nous inspirons la sagesse de l'univers. 3. Expire. Si entre nos respirations, nous avons besoin de quelques respirations naturelles, on le fait. 4. Expire. Ayons la conscience de détendre complètement les tissus des poumons, les côtes, et ayons la conscience de lâcher le stress. 5. Même si on a un stress particulier auquel on pense, même un stress qui est fini, vous allez chercher une place, vous avez failli être en retard, et voilà, bon, tout est bien, qui finit bien, vous avez tout trouvé. Etc. C'est cet état de tension et d'anxiété que nous laissons partir avec cette sixième respiration maintenant. 3 temps, 7 temps. Tout avec le nez. Encore. 8. Et dernière respiration, 3, 7. Le front large, léger. Et en lâchant notre stress, nous l'offrons à la terre, notre lourde terre qui pourtant danse et se promène. Ensuite, on va demeurer un instant, centré sous le périnée et sous la plante des pieds, parce que redescendre dans notre corps, faire descendre notre regard aussi,
C'est une grande source de détente et d'apaisement puisque nous ne l'ignorons pas assez là-haut que ça chauffe. Imaginons des ballons sous les pieds, un ballon sous le coccyx qui se gonfle à l'inspire et se condense un peu, se rétrécit à l'expire. Et pendant que nous restons bien en bas, observons si nos poumons sont plus détendus. Et maintenant que nous ne leur demandons rien, comment se trouve notre souffle? Ensuite, intéressons-nous à notre rate qui va nous aider aussi à nous détendre, puisque la rate qui va avec le pancréas et avec l'estomac, c'est le lieu de l'installation dans la paix, dans le centrage, dans le présent. Et dès que on en sort, on cesse de savoir digérer ce qui nous arrive. Et du coup, eh ben, ça se noue, notre estomac se noue. Et la rate nous décale de l'instant présent. Et nous nous mettons à éprouver de l'anxiété, du ressassement. Donc, amenons notre regard intérieur, toujours en respirant le plus tranquillement possible et en étant conscient de tout ce que nous avons fait, déjà maintenant, tranquillement. Et donc, on va aller sous le cœur à gauche. Et chercher à sentir notre rate. La rate, qui est un tissu mou aussi, c'est de la lymphe. Et donc on va demander une détente de la rate. Sourions. Nous pouvons, si nous le souhaitons, amener une lumière jaune, dorée. Et l'aspirer par le troisième œil, si on veut, ou juste l'inventer et l'installer dans la rate, et promener, comme si nous avions un pinceau dans l'œil, promener cette couleur à l'intérieur de la rate en bougeant doucement nos yeux qui tiennent ce pinceau doré. Et si on veut, on peut faire des petits 8. Alors, on peut donner aussi une petite consigne, on peut dire relax, détente. Et on fait des petits 8 qui se déplacent à peine d'un côté de l'autre, en haut, en bas. La rate, c'est 4 sur 8 sur 12, je crois. En volume de centimètres. Et à chaque expiration, on va laisser le rrrr de la rate se sortir de cette rate à travers notre cou. Nous serrons très légèrement l'anus et le périnée pour nous aider à faire monter cette énergie un peu lourde de soucis et de stress, et nous l'offrons à la terre. On va le refaire encore une ou deux fois, et ensuite on fera exactement la même chose sur l'estomac. Allons voir notre estomac, on sait que quand on a un stress, il a tendance à se nouer. Donc lui aussi, c'est un tissu mou, c'est une poche molle. Et donc on va lui proposer la détente, on peut même mettre les mains dessus si on veut.
Et donc en inspirant, on va pousser doucement notre main en disant relax. Et en expirant, approchons la main du dos. Aidons le souffle, aidons les muscles profonds à nous aider à expirer justement. Refaisons cela plusieurs fois avec le même son, si nous le souhaitons. Et en même temps, on va commencer à faire activer nos muscles qui vont aider notre estomac à garder une place. Si nous sommes trop flasques, trop mous de cette partie du ventre entre le nombril et le V du sternum, eh bien, nous n'aidons pas l'organe à être tenu. Et nos organes, ils sont comme des enfants, ils aiment à être tenus, mais ils n'aiment pas être étouffés, ils n'aiment pas être trop serrés. C'est pourquoi nous devons trouver la juste attention pour nos organes, celle qui va tenir l'organe en sécurité sans le déranger. Et donc, à certains moments, par exemple, au bout de l'inspire, imaginons un estomac très large qui prend vraiment ses aises jusqu'à l'arrière du corps, qui nous dépasse et qui revient à l'expire. Et quand ça revient avec le son, nous pouvons décider que nous allons nous débarrasser de ce stress. Ensuite, arrêtons-nous, prenons un instant pour observer notre état général et si nous avons eu un stress, demandons-nous s'il est toujours aussi dérangeant. En ouvrant notre cœur, offrons-nous la bienveillance et pardonnons-nous ce moment de stress qui nous a mis mal. Étendons cette bienveillance à l'objet de ce stress, ce qui nous a provoqué cette réaction automatique et un tant soit peu mécanique. Et pour ça, nous allons nous aider en demandant à notre regard intérieur de devenir plus relax aussi. Plus on est stressé, plus nos ornières se referment, on finit par avoir le regard tendu, le sourcil froncé, la ride au front. Et si on regarde les petits bébés, on leur fait peur et pleure. Et plus on est ouvert, plus on a de l'espace, et plus c'est le contraire. Plus le stress s'en va et nous reprenons une vision des choses beaucoup plus sereine. Et ça va pas nous annihiler ni nous inhiber dans ce que nous aurons à faire, mais ça va être fait beaucoup plus tranquillement et probablement plus lucidement. Donc, plaçons notre attention pendant que je vous racontais ça. Je suppose que vous étiez déjà dans vos yeux. Plaçons notre attention dans les yeux. Imaginons que nous respirons dans nos deux yeux physiques, à travers les paupières fermées par exemple. Et puis, lorsque nous aurons décidé, nous allons ouvrir nos yeux pour regarder autour de nous. Et là, on va choisir deux points, si on est assis, c'est plus facile que si on est debout, parce que sinon on a directement le plafond. Mais on peut choisir, si on est assis, un meuble et puis un autre, et puis le mur ou un objet. Et commençons juste par
Regardez ce meuble ou ce point que nous fixons, que nous choisissons. On peut choisir d'ailleurs, même dans le ciel vide, on peut choisir un point d'étape virtuel et ensuite on va plus loin. Ensuite on revient et on va plus loin. Observons ce qui se passe quand nous rapprochons notre centre de ce que nous voyons. Allons plus loin, rapprochons. Peut-être que comme moi, vous aurez envie d'inspirer en rapprochant et de détendre en allant regarder plus loin. Et ici, on va demander à nos yeux de se détendre en effet davantage, telle sorte que nous aurons l'impression que nous avons d'autres yeux à l'extérieur de nos yeux et que en cessant d'avoir l'angoisse exorbitée, nos yeux d'eux-mêmes vont, en se détendant, s'écarter très légèrement l'un de l'autre et défroncer notre front et nos sourcils, et non seulement ils vont s'écarter, mais ils vont se reposer et se détendre en descendant un tout petit peu et en allant vers l'arrière. Les yeux sont reliés avec le cerveau, avec le système nerveux autonome. Et donc en détendant les yeux, on a une action extrêmement profonde sur l'ensemble de notre appréhension des problèmes. Ensuite, fermons nos yeux et continuons ce mouvement où nous imaginons que nous regardons loin, puis au milieu, puis tournons notre regard et allons vers l'intérieur, comme si on allait regarder vers le crâne. Si nous sommes assis, nous pouvons même placez notre main gentiment derrière le crâne, en imaginant qu'il y a un très beau film dans la paume et que les yeux vont aller regarder ça. En même temps, on défocalise, donc l'idée n'est pas à garder trop longtemps. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'on inspire et qu'on va vers l'intérieur, avec un regard complètement détendu, peut-être il se crée un mouvement énergétique à l'intérieur du crâne. En tout cas, on voit un espace sombre pour la plupart. Et dans cet espace, imaginons que nous voyons toutes les étoiles. En fait, ce sont nos neurones, nos synapses, comme un ciel. Et comme sur la photo du CERN, on peut imaginer toutes les relations, donc tous nos synapses, violets. Nous avons plus de 1 million de fibres par nerf optique. Donc si on tourne notre regard vers l'intérieur, nous mettons toute cette richesse au service de l'espace. Et quand on songe à l'énormité, à l'abondance des moyens que la nature a mis à notre disposition, on peut se calmer devant le stress de la journée et se reconnecter avec les ressources de l'univers et de notre nature. Demeurons le temps qui nous plaira en respirant tranquillement, consciemment. Et peut-être avec une expiration un peu plus lente que l'inspire, en regardant l'espace tranquille à l'intérieur de nous.
veillant à détendre complètement l'estomac. Et là, peut-être que nous n'aurons plus du tout envie de penser à ce qui nous soucie pour mieux profiter de l'instant présent. Merci. À bientôt.